L'ITERC voit le jour en raison de l'urgence créée par la guerre qui sévit à l'époque. En 1943, de nombreuses usines sont à l'arrêt ou endommagées et celles en activité fonctionnent au ralenti. La profession des corps gras et dérivés est confrontée à des défis majeurs et parmi ceux-ci, la rareté des matières premières et le manque de personnel cadre qualifié. Elle exprime le besoin d'un centre d'études commun pour combler ces lacunes et favoriser le développement de l'industrie. C'est ainsi que l'Institut technique d'études et de recherche des corps gras est créé le 14 mai 1943 par le Comité général d'organisation des corps gras. Ses missions se résument alors en trois mots: rechercher, documenter, enseigner. En 1945, le laboratoire de recherche voit le jour au sein des locaux du CNRS en région parisienne, portant le nom du célèbre chimiste Chevreul, créateur de la chimie des corps gras. À la Libération, l'industrie des corps gras regroupe plus de 800 établissements de tailles différentes, allant de la petite entreprise à des sociétés de dimensions déjà importantes. Le 18 août 1950, l'ITERC devient Centre technique industriel, acquérant ainsi une base juridique définitive. Sa dénomination devient alors Institut des corps gras. L'ITERC s'installe dans un hôtel particulier au 5 boulevard de la Tour Maubourg, dans le quartier des Invalides. Ses missions sont déclinées en 5 points: recherche, information, assistance, normalisation et formation. En 1957, l'atelier expérimental est inauguré dans la région parisienne. Cette installation de 120 m² comporte trois sections: huilerie, savonnerie et lipochimie. L'atelier a fonctionné pendant une dizaine d'années avant d'être démonté pour des raisons financières, mais il a donné lieu à des travaux d'intérêt publiés dans différentes revues scientifiques. Dans les années 80, ITERC se décentralise à la demande de l'État et se rapproche du CETIUM pour s'implanter à Pessac, en cohérence avec les projets de la DATAR pour l'agroalimentaire dans le Sud-Ouest. Le projet prend forme en 1979 et comprend un atelier expérimental commun de pression, d'extraction et un petit atelier de raffinage et d'hydrogénation des huiles, des laboratoires de recherche ainsi que l'école supérieure d'application des corps gras. L'année 1986 est marquée par le développement des contrats privés vers des secteurs producteurs, mais également utilisateurs de corps gras, répondant ainsi aux demandes des professions et des pouvoirs publics. De nouvelles prestations se mettent en place, notamment les études environnementales, en lien avec les besoins de l'industrie en matière de durabilité et de respect de l'environnement. En 1992, l'ITERC adopte un logo plus dynamique, aux couleurs jaune pour l'huile et bleu pour l'industrie. La signature et le nom Institut des corps gras disparaîtront en 2018 en lien avec l'élargissement du périmètre de CTI. Depuis le début des années 2000, en lien avec les contrats quadriennaux d'objectifs avec l'État et la profession, l'ITERC investit dans de nouvelles plateformes, accélérant ainsi l'innovation au service de l'industrie avec le soutien continu de la profession et de la région. Parallèlement, l'intégration dans les réseaux CTI, Actia et Carnot favorise une capacité d'action renforcée et le ressourcement auprès d'acteurs provenant du monde académique et industriel.
Récemment, l'Institut a étendu son champ d'intervention aux protéines végétales via l'acquisition d'Improve, formant ainsi le groupe Iterg, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la graine au produit final. Dans les années à venir, en collaboration avec les pouvoirs publics, la FNCG, Terre Univia, Terre Innovia et d'autres partenaires clés, ITER continuera à concevoir des stratégies innovantes pour répondre aux nombreux défis industriels, transition alimentaire, environnementale, énergétique. ITER s'engage pour un monde plus sain et durable, en façonnant un avenir prometteur pour l'industrie, contribuant activement à sa compétitivité et à sa durabilité.